Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un petit pile-up facile à réaliser et qui va vous permettre d'être invincible contre tous les zombies. Alors le seul problème de ce glitch, c'est que le massacreur peut vous faire tomber du glitch. Mais j'ai peut-être trouvé une petite astuce pour qu'il ne vous fasse pas tomber. Alors je vais vous le montrer à la fin de la vidéo. Alors pour réaliser ce glitch, vous allez devoir vous rendre au centre de données et à côté de l'atout rechargement rapide, vous avez une petite rampe que vous allez pouvoir monter dessus. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous placer au maximum au bord jusqu'à temps que les zombies ne vous détectent plus. À ce moment-là, vous allez voir que les zombies vont faire des allers-retours parce qu'ils ne vont pas savoir par où passer pour vous atteindre. Donc de là, vous allez pouvoir leur tirer dessus sans qu'ils ne vous touchent. Alors le seul problème de ce glitch, c'est que vous allez tomber vite à court de munitions, parce que tout simplement, vous ne pouvez pas en récupérer, les zombies sont trop loin, donc il n'y a pas de munitions illimitées. Mais après, si vous prenez deux bonnes armes avec blindées de munitions, logiquement, vous allez pouvoir passer chaque manche en utilisant ce glitch. Et ensuite, vous allez là où tous les zombies sont morts pour récupérer les munitions, les matériaux, etc. qu'ils ont fait tomber. Alors comme je vous l'avais dit, le problème c'est que le massacreur peut vous faire tomber s'il vous tire dessus. Alors j'ai trouvé une petite solution, c'est que si vous vous décalez bien à droite et que vous gardez un tout petit visu sur les zombies, là le massacreur ne vous tirera peut-être même pas dessus et s'il vous tire dessus, la charge qui ira vers vous se prendra le mur avant, donc ne vous touchera pas et ne vous fera pas tomber du glitch. Donc voilà, c'est un petit glitch assez sympathique et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.